Putain, go les gars, go. Go. Yo, du coup, yo, go. Allez, on pub. Go les gars. Go. Nice, nice. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme. Nous, en tout cas, comme vous avez pu le voir ici, et bien c'est le cas. Team de bourré, encore une fois. Dites-moi les potes, comment vous allez bien? On va commencer par Briggles. Mais moi ça va très très bien. Hein. On est chaud pour tester le nouveau couperet noir parce que Alder veut que je le sorte, mais je serais obligé de le tester. Non, non, fais pas comprends. Ça. Donc voilà, fait. Voilà. C'est tellement troll. C'est tout. Je joue Garen. J'ai Garen. Melon, est-ce que tu vas bien? Bah moi j'ai eu Timo Lapin là à l'instant, donc ça va super. D'accord, est-ce que je compte le jouer? Si vous voulez, mid. Non. Timo Lapin. Non. Non. Avec le couperet noir. Mais du coup ça va? Oui, oui, ça va super. En plus j'ai réparé ma table. Regardez ça, regardez. C'est solide, c'est voilà. Solide, c'est solide. Zerator, on t'a eu. Voilà. T'as voulu nous mettre des bâtons dans les roues. Donc j'ai tout réparé, voilà. Merci. Nickel, ok. Donc je vais bien. Bien. Tu vas bien? Oui. Nickel, super. Alors, nous on a straté. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va strater en. Tu peux venir, toi? Attends, j'ai reçu plein de trucs. On a straté, on va faire. On a straté, on va ça, faire ouais. Des moves. On va faire des moves ce soir. Donc tu c'est vas ça. Un petit peu nous expliquer tout ça au fil de la game, pardon. C'est ça. Et ça se passera bien. En fait, il peut pas rejoindre la game parce qu'il reçoit trop de cadeaux, c'est ça? C'est vrai qu'il reçoit trop de cadeaux, il arrive pas à rejoindre. Et homme musclé au fond, comment vas-tu? Ça va très bien. Mec, attends, c'est non par contre. Qu'est-ce que c'est? Mec, ça fait, c'est le cinquième cadeau qu'il a, là. Mystery Gift. Sixième. C'est Ramus de Freljord. Encore un. Vas-y, super. Ah, c'est, ah. Pas, c'est fini. Il a eu six cadeaaux mystères en se connectant au jeu. C'est pas dégueu. Il a eu zéro. Pour mon anniversaire, bon, j'arrive. J'en peux plus. Du coup, monsieur musclé. Oui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis content de ce patch. Ah, tu l'aimes bien? Ouais, non, en vrai, ça, je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité au niveau des picks. Est-ce que tu trouves que c'est un bon patch pour Olaf? Le couperet noir, je pense qu'il est mieux que la Triforce. Ouais. Donc ouais. C'est moins cher surtout. Moi je trouve que c'est vraiment. Sinon, j'ai eu l'occasion de pas mal voir le nouveau Rise et. Ah. Médiocre. Vraiment. Je te jure que t'allais me dire. Ah merde, mais moi j'écris mes messages et tout, je remercie les gens. Et... Médiocre. Médiocre. Pour d'accord. Le moment, je dirais médiocre. Tu trouves que c'est vraiment nul? En gros, il y a tout sur moi là, donc après, je peux plus écrire. En gros, d'accord. Pour moi, c'est pourquoi jouer Rise si tu peux jouer Vlad. Tu vois un peu le délire? Oui, et en plus maintenant tu peux esquiver les dégâts de Rise. Ouais, mais il me voit écrire. C'est vrai. C'est chaud, enfin Rise, ah ouais. Il peut se faire esquiver son Q-spell, il fait quoi sérieux? Bon, je suis d'accord. D'accord, ok. Bon. Est-ce que quelqu'un a un truc à dire globalement le temps que je fasse? Bah, au final, on t'a pas demandé comment toi tu allais, comment s'est passé ton week-end, bah, à Paris, tout ça. C'est peut-être parce qu'on s'en fout. Peut-être. Wow. Comment il est méchant. Ouais, je dis ça comme ça. Waouh. Je rigole. Le fils de roi. Je rigole, mon prince. Notre responsable TVLOL. C'est un responsable. Est-ce que d'ailleurs vous êtes content de ce poste que j'ai. Excuse-moi. Est-ce que vous êtes content de ce poste que j'ai endossé récemment? Comment il s'appelle déjà le poste? Je sais pas. Bon, il est bien en tout cas, c'est cool. Responsable TV. Ouais, voilà. Est-ce que vous êtes content? Oui. Globalement. Vous avez le droit de dire non? C'est pas oui. Endosser un nouveau poste? En fait, t'as été promu, t'es pas au courant? Complètement rebou, ce gars. T'as été promu. Nice! Bien joué, DFG! D'accord, bon, merci à toi en tout cas. D'être au courant de ce qui se passe dans ta société, c'est bien. Ouais. Bah, ok, bon, ça, vous allez l'air content. Ah, oh, mais il joue au Olaf. Ouais, ouais. Il joue à la promotion de DFG, les gars. Nice! On va jouer au Olaf, très bien. D'accord, bon, du coup. Mais oui, le week-end était bien. J'ai vu plein de gens, cool. J'ai dormi chez Sardoche, cool. Enfin, j'ai dormi dans Sardoche, cool. Non, c'était bien, les timpes, l'alcool, la drogue. Ouais, nice. Logique, quoi, les trucs voilà, de l'âne. Quoi, les trucs de l'âne, ouais. Tout simplement. Non, c'était cool, on a bien cast et ça me confirme dans l'idée qu'avec Sakor, on est un très très bon duo de casters. Je pense qu'on est. Ouais, vite fait. Ouais. Objectivement, top 2. Subjectivement, les meilleurs, mais. Ouais, vite fait. J'aime bien ça, vous êtes top 3 Lissine FR. Alors moi je suis plus. moi je suis top 1 bard. Ça, nice. Bah, c'est top 1 bard. Top 1 bard dans le super ça, classement de bard qui contient une place. Bah, je suis tout seul. Tu sais, on perdu là. Non, y'a Kuro. Non, j'en ai vu. Crépo joue. Crépo aussi. Non, mais, tout le temps. Non, mais c'est pour ouais, ça qu'il a arrêté sa carrière. Ouais, Crépo. Ouais. C'est à un moment donné, il s'est dit putain. Là, je me dis qu'il m'avait avec bard, il fait j'arrête ce jeu, j'arrête tout. Et moi j'aime bien, je suis là dans mon petit trou où personne m'en vend. Tout seul. Gling, gling, gling. Je lance des trous. m'amuse bien. T'as vu, ils ont donc, up bard. Ils ont un peu up bard encore. Ils arrêtent pas de up, c'est un dé sur son passif. Ouais, mais c'est pas ouf. Bah, c'est sur l'XP, c'est pas. Bah, en early, genre, que tout soit dans ta jungle, t'en auras deux fois plus en fait. Donc c'est bien. Ouais, mais en gros, en fait, les trucs spawn à peu près autour de Outer en fait. Donc ah bon, si tu es malin, tu vas pas trop invade loin, tu vois. Ça dépend en fait. Je trouve que ça va, c'est pas très grave, mais ouais. Et ils font un peu plus d'XP en late. Oui, c'est 1 XP, oui. 1 XP de plus par level. Oui. Après 5 minutes de jeu, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas... Non. Genre 1 XP de plus par minute. Ah, par minute? Oui. Donc c'est d'accord, c'est bien. Ouais, en fait, c'est bien. Mais c'est après la 5ème. Oui. J'ai oui. Joué. Bon, c'est toujours ça de prix. Oui, j'ai une petite ça. Question. Bien sûr. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait faire une game, genre mon tryhard, oui. Mais avec des picks assez étranges?
J'ai vraiment envie de tester le coup près noir sur Garen. Est-ce que c'est... Putain, mais qu'est-ce qu'il veut jouer Garen, ce fils de... Mais tu peux prendre Garen, mais nous on prend un pick normaux, hein, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu restes un top laner split pusher, tu peux prendre un truc qui split push. Non, mais Garen c'est nul en split push. Non, mais Garen c'est nul. Oui, oui. Ma phrase est finie. C'est comme si tu prenais Mundo. Joue comme si tu prenais Mundo. On fait pas. Sauf que Mundo c'est fort. Bah, Mundo il meurt jamais. Franchement. Tiens, elle était buff. Mundo, oui, ouais. Vite fait. Ouais, mais je pense pas que ça suffit. Oui, clairement pas. Bon, moi je trouve ça bien pour le mettre en laner. C'est déjà ça. Tu l'as cité au Q-spell. Avec TP smite, c'est pas immonde. Ouais. C'est vrai qu'on va faire du swap lane maintenant. Fort, mais... Oui. On va faire du swap lane, donc sort des champions qui peuvent swap lane. Salut Olaf. Voilà. Voilà, salut Olaf. À toi Olaf. Bah, c'est parfait. Salutations à toi Olaf. Salut à toi. Mais du coup, je vous dis que je vais puber depuis tout à l'heure, je le fais pas. Oh, ambiancez-vous là. Nice, ouais, go les gars. Bah, moi aussi, allez, je vais on s'ambiance. Moi j'ai déjà pubé comme. Et toi l'ambiance étoile. Un bon employé d'Eclipsia, tu vois. Moi, tu l'as déjà fait. Étoile, je m'ambiance étoile. Bon, allez les gens. Ah, je vais jouer Xerath aussi. C'est vrai? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ah, attends, t'as acheté le skin des sables ou pas? Parce qu'il bah, pue la merde. Non, il faut pas le jouer. Hein. Pourquoi? Tu vois que dalle. Comment ça? Ah bah, oui, tu vois pas le Z? En fait, quand tu lances ton E, tu le vois pas. Tu lances ton Z, tu le vois pas. Non, le Z, on voit pas le E, on le voit. Le enfin, E, moi, je sais pas. Mais le Z, j'avoue qu'on le voit pas. Hein. Bah ouais. C'est trop d'un plaisant. D'un côté, c'est bien parce que genre, eux, ils le voient bah, pas. Oui. Oui, c'est bien, moi ça me va. Quoi? C'est bon, j'ai fini. Xerath, ouais, le bug sur l'ulti a été corrigé? Ouais, il oui, a été corrigé à ça ce c'est match. Cool. Moi j'avais il spot un bug sur le Q, ils l'ont pas ouais. remarqué apparemment. Il reste un bug, c'est ils que quand tu casses ton Q, oui. des fois il s'annule. Oui. Ouais, mais ça c'est vieux. Ah oui, ils s'en ouais. foutent encore. C'est, je sais pas s'ils s'en foutent ou s'ils ont pas réussi à le faire. Parce que c'est quand même encore plus grave que l'ulti quoi. J'ai envie de dire, mais vraiment genre. Parce que c'est pire que pas prévisible, c'est un Q sur 100. Et ça peut être le Q qui va te permettre de gagner la game quoi, c'est complètement ouf, c'est fou. C'est fou. Oh c'est beau putain. D'ailleurs ils ont nerfé Karim ou pas? Non. Ils l'ont pas nerf. Ils ont nerfé Yasuo par contre, je suis très surpris. Pff, enfin, en fait, mec. Ils ont pas nerfé Yasuo. Mais non, mais ils se sont dit ouais, on va le up, mais en fait, c'est un nerf. Non, ils ont voulu, ils ont tweaké le perso, ça s'appelle comme ça, c'est genre quand tu modifies des trucs sans que ce soit ni un nerf. Oui. Mais en gros, c'est un nerf. C'est pas ouf. Non, c'est un nerf. Ça fragilise encore plus son early game, il est plus fragile. Voilà, je t'explique. Voilà, non, mais c'est nul, c'est dingue, c'est nul. Je trouve, bah en gros, ça reste trash tier. Passer le bouclier de 60 à 100 en early, ça te sert à rien. Parce que les gens gros, te le cassent avec une auto-attaque en fait. Le truc c'est qu'ils durent ils pas attendent, assez longtemps. Et ils attendent qu'il y ait mais plus de shield pour te poke encore. Ils se très très lentement le bouclier d'assaut en gros. Et maintenant oui, ils ont nerf encore tu plus le temps secondes, de... quoi. Enfin, oui non mais c'est dingue. Grossièrement tu vois, et 20 c'est ridicule c'est de faire ça, moi ça m'a touché vraiment. De lire ça sur le page je me suis dit mais... Et pourquoi ils font ça? Vraiment genre... Non, mais je en me gros, dis qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur tête? En gros ce qu'il faut comprendre c'est que... Yasuo n'est jamais pick, quand il est pick il perd. Donc on va faire un nerf, enfin je comprends pas. Ils ont, je pense qu'ils testent encore des trucs sur le perso parce qu'en gros Yasuo on sait. Soit tu le up trop, auquel cas il devient trop fort, genre dominant dans le méta, tu vois. Ce qui était le cas pendant longtemps. Mais un up qui aurait été intelligent, dis-moi. C'est de. Est-ce que tu bosses chez Riot? Ben je devrais. Peut-être. Putain, ça serait tellement mieux, tu fais rien. Mais oui. Vas-y, tellement de trucs illogiques dans ce qu'ils font. Ben je sais pas, c'est. Déjà le up du shield de 60 à 100 en early, ça sert à rien, vraiment. Genre. En fait, tu joues contre Yasuo. C'est pas la taille du shield qui compte, je pense. Non, oui, la durée. C'est ça, oui, je suis en train de parler. C'est pas la taille du shield qui compte, c'est comment tu t'en sers. Oh, mec, tu sais qu'en plus, un B près. Tu vois la grosse tête d'Alpé, c'est genre. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Attendez. Dis-moi tout. Je peux. Oh. Oh. C'est bon ouais, je t'écoute là. Maintenant, vous taisez, c'est moi qui parle. Wow. Moi, je m'impose maintenant. Ouais, mais depuis que t'es parti, l'autorité est partie. Ah, ça y est. Ah, il s'est un petit peu rebellé là. Bah, demain t'es viré. C'est ça. Bon. Mais du coup, je t'écoute. Merci. Le principe de d'augmenter le shield, ça sert à rien parce qu'en lane. Ouais, ok. Prends... Alors. Putain, ça tombe tellement le seul. Je t'écoute, Melon. Ah, merci. Alors, l'important, tu vois, c'est pas la taille du bouclier parce que en early, quand t'es contre un Yasuo, ouais. Tu vois que son shield est chargé, tu lui mets. Tu peux me regarder quand je parle? Tu lui mets une petite. Ça ne j'en peux plus. Une auto-attaque, oui, c'est une auto-attaque, auto-attaque pour lui casser et après t'enverras tes sorts quand le shield sera parti. Oui. Donc que ce soit un bouclier de 60 ou de 100, ça change rien. L'auto-attaque c'est 42 dégâts. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te dis c'est la durée. Voilà. Parce qu'en fait le truc dure une seconde et demie, je crois. Oui. Et c'est trop court en fait. Déjà, ce serait up si c'était déjà 3 secondes, ce serait super. C'était ça avant mais en fait, je crois. Le plus grave, c'est qu'ils ont nerf en plus, on l'a moins souvent qu'avant. Donc c'est pire qu'un nerf en lane. Oui. Tu peux bloquer encore moins d'auto-attaque. Oui. Donc tu peux encore moins farm. Donc tu pues encore plus la merde. D'accord. Donc, après, est-ce que le Rito, but c'est pas quoi d'avoir un plus gros shield et du coup faire que des all-in à chaque fois? Genre te dire, là j'ai un shield plus gros donc je prends un trade long sur ce moment-là et pas se dire, oui je tu prends un trade poke, long, machin. Oh y a un jungler qui arrive derrière. Ah non mais. Oh t'es mort. Ah mais je dis pas. Après ça a toujours été le problème de Yasuo de toute façon. Oui oui. C'est un perso qui pour t'escape tu dois dash sur tes creeps donc s'ils sont mal placés ou quoi t'es mort. Là. Oui. Mais ok. Donc tu peux pas trop te permettre de faire des trades longs donc ton bouclier sert à rien quand il est gros. D'accord ok. Enfin bref. Peut-être. Après Yasuo, c'est moi je suis content tant qu'il est pas trop joué parce que les compos autour de Yasuo c'était chiant. C'est un truc qui m'amusait pas moi.
En gros, mettre un Yasuo qui farm, le camp pour l'aider, tu vois, et après avoir du knock-up partout dans la team et des shields. Je trouvais ça chiant. Enfin, je l'aimais pas. En gros, c'est soit. Enfin, tu vois, c'est trop bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh. C'est très bien. Mais bon, ce serait bien qu'il soit viable. Comme Kha'Zix, ce serait bien qu'il soit viable aussi. Kha'Zix, il a un petit peu, de up là, j'ai vu. Il est viable, Kha'Zix, pour la jungle. C'est pour la jungle, c'est pas vraiment pour la lane. Mais après, en lane, ça va sentir aussi. Vite fait. Mais je pense qu'il manque de, burst maintenant. Tu max Z en lane, il se passe quoi? Bah, le truc c'est qu'en fait c'est nul en fait. Non, parce que moi j'aime pas. C'est un poker, c'est plus un assassin. En fait, au niveau max des spikes, tu sustain autant qu'avant. Ah oui, oui, c'est vrai. Autant pas le up en fait. Oui, c'est vrai. D'accord. En fait, c'est pour la jungle parce qu'en jungle t'as plus que spell. Oui. Donc au final. Et je trouve que le burst quand la cible n'est pas isolée est trop petit en fait. Par contre, quand la cible est isolée, mon pote. Oui, il est pas mal, mais c'est rare maintenant qu'une cible soit pas isolée. Sachant que maintenant les tours ça sert d'isolation. Oui, voilà. Ça, c'est ça. Même les creeps de la jungle, je crois que ça sert d'isolation. Non, non, ça c'est une troisième team, le genre. T'es sûr? C'est le troisième team. Oui, c'est vrai, en plus. Ça compte comme une troisième. Sûr. D'accord. Bah, c'est vrai qu'ils font, le. Mais c'est marrant parce que toutes les games ils sont là. Ils ont jamais gagné. Ils traînent beaucoup. Hein. Traînent énormément, vraiment. Si il a gagné le Red Buff contre Broken Shard. C'est vrai, c'est vrai. Il a eu ça. On s'en souvient. Broken Shard. Leur forget. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, il s'est fait clasher par Monte Cristo. Oui, il y a pas que lui, il s'est fait clasher par beaucoup de monde. Il s'est clasher par Monte Cristo récemment. Très très drôle. En gros, lui est dentiste, je sais pas si vous voyez que c'est dentiste. C'est genre le coach de Copenhagen Wolves. Ouais. Ils ont fait une. Enfin, ils voulaient faire. Putain, un j'avais review. Compris, il est dentiste. Ouais, mais si, j'avais compris. Genre, il raconte. Enfin, dentiste. Ouais, c'est le. Ouais, c'est le pseudo. Et Broken Shards, ils ont fait une review de la review de Monte Cristo. Et Monte Cristo a fait. Qu'est-ce que je m'en fous, vous fassiez une review. Enfin, qu'est-ce Parce que vous allez dire une vraie review. En gros, comment vous allez me critiquer alors que vous êtes genre un jungler de chien et le coach de la 6ème team, tu vois. Genre, ils sont comme ça, tu vois. Et du coup, le buzz est parti en couille. C'est sale. C'est sale. Il s'est fait mémé. Il s'est fait mémé. Bon, allez, c'est la pub. Le même lord s'est fait mémé. A plus. Non, moi je mets la pub. Ah, tu mets du pub ton truc. Voilà. Tu voulais mettre une pub. Parce que moi, j'ai déjà un quart d'heure d'attente. Ouais, nice. Quelle pub. Ouais, elle est où la pub? Je la trouve pas. Ah, non, tu m'as pas identifié. Bon, du coup, Chap a une strat particulière. Ouais. Oui. Donc on essaiera de le suivre et de le laisser call un peu tout ça. Ça peut être un truc intéressant pour les gens qui se plaignent qu'on n'avait pas de strat. Alors on sait pas si ça a marché. C'est un truc qui demande un peu de train, je pense. Oui. Mais on va essayer en tout cas. Et je pense qu'a priori ça devrait bien se passer. Bah. En tout cas on va essayer, on verra. Oui, voilà. Ça va être compliqué, mais Jinx, ça va pas être trop persévérer dans lane d'ailleurs. C'est hors de cette strat. Donc justement un petit swap lane, si on fait des swap lane, genre. Peut-être. Je pense que Jinx sera tout le temps aussi viable. Mais en 2v2 la Jinx, tu vois par exemple quand tu mets un grab. On met le combo, mon ulti au corps à corps, ça va puer la merde. Hein. Je fais moins qu'une auto-attaque avec mon ulti. Après, est-ce qu'on avait vraiment tout le temps besoin de l'ulti pour tuer? Je sais pas trop, tu vois. Genre, ouais. Des fois, c'était peut-être un peu overkill ou quoi, parce que le mec était encore à portée d'auto-attaque ou quoi, tu vois. C'est vrai. Mais ça faisait un burst de ouf en fait, tu vois. Genre, ouais, ça faisait mal. Donc, on verra, faudra tester ça. Yes, yes. On va voir tout ça. La strat. Non, bah, vous allez voir. Première game, MSI jeudi prochain, TSM contre Fnatic. Ah, c'est les All-Star un petit peu ça, non? Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais les MSI, ils sont trop bêtes, ils le font pendant le remake. Ah oui? C'est vrai? Oui, c'est pendant le remake. Ah, donc on pourra même pas voir, genre. Bah si, on regarde en game. On pourra regarder, mais... Et mais donc, on caste pas? Caste pas. C'est jeudi soir? MSI. Oh non, si c'est jeudi soir, c'est on est dans la voiture. Non mais mec. Mec, la 3G. Voiture avec la 3G. T'es sûr? La 4G. T'es sûr qu'on aura la 4G? Mais tu payes un max, non? Rien ne peut m'arrêter. Mais pas en France. D'ailleurs, tu dis le forfait. Forfait bloqué à Bouygues. Bouygues? Ouais. Je sais pas comment. 19,99 par mois. D'accord. Quoi? 19,99. Moi j'hésitais à prendre le petit forfait free 2€. 199 par mois. Je payais 200 balles. J'ai entendu 99 dans ma tête, j'ai vu le 99€ mec. J'hésite à prendre le petit forfait free 2€. Ah, je ne sais pas. De toute façon, on est presque tout le temps en Wi-Fi sinon. Oui, je suis tout le temps en Wi-Fi ici. Je dis pas ma 3G ici. À part. Bah, ça, en ça coûte trop cher sinon, non? Ouais. Donc vaut mieux prendre le petit forfait 2€, je pense. Sachant qu'on n'appelle pas. Putain, t'es vraiment mec. Wow. Ouais, mais il est smart, Melon. Wow. Genre. Mais Melon est pas bête. Parfois, quand je lui parle, j'ai l'impression d'être con, tu vois. Genre, t'as jamais eu ça? Tellement Melon ouais, est au-dessus de nous. Genre, en plus, c'est vrai, arrête. Des fois, il me parle et je suis genre, putain, mais attends. C'est mec. En plus d'être beau, il est très intelligent. Ouais. Il a tellement un QI élevé que des fois j'ai l'impression qu'il parle pas ma langue. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, non mais je peux comprendre. Waouh, je me fais clasher par le coach. Mais après tu fais pas bien ton job donc. Ah, c'est vrai que je suis vraiment pas doué. Alors c'est logique. C'est mon chef. C'est bien fait. Ah, merci beaucoup. tu supervises un peu mon tas. Ça. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Et Waldé. On est en stream. Yo les potes. Quelle grosse merde.
Hey, mais c'est DFG. Hey, salut à toi. Alors, qu'est-ce que tu vas jouer? Salut à toi, le muscle. Je vais jouer Bard. Bard, vraiment? Non. Mais moi, ça me plaît. Bard. Non, mais si on fait, genre, tu vas jouer Bard toute la soirée? Non, mais si on fait votre truc, je joue Thresh, tu vois. Thresh, t'as un ennemi de ouf. En gros, je joue des trucs. Je vais moucher. Je joue des trucs en ligue. Et ce serait pas bien, genre, en soirée, une Bard, je viens faire les décals avec le jungle. T'arrives en tunnel, c'est après, fort. Après, peut-être. Tunnel, stun? Peut-être. Ah, bah, proc, 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 proc. Ramène-toi. Dépêche-toi. Bah, dépêche-toi. Dépêche-toi, mais c'est bon, on a accepté. On a accepté. C'est complètement con. C'est bon. Bon, du coup, on banne Gragas, je pense. Ouais. Non, ouais. Gragas, justement, faut le pick. Ah. C'est fort en early. Est-ce que t'es fort sur Gragas? Oui, oui. T'inquiète, mec. En vrai, ça va. Hein. Non, mais pourquoi tu me mens? On est amis depuis longtemps. Mec! Tu as encore de manger? Mec, je suis pas dégueu sur Gragas. Bon, on banne quoi alors, dis-moi? Et Karim? Sage. Sage. Non, en fait, Sage, on peut la laisser parce que. On laisse Sage et Gragas d'open. Ouais. Donc, Eka, on peut le ban. Ouais, ban Eka. Ok. Et du coup, moi je pique quoi? Bah, Olaf, je suis bien. Quoi, en gros, faut que tu prennes un truc qui est fort en early, c'est ça? Ouais. Mais. Qui tient le 1v2. En gros, le truc, c'est que être fort en early, c'est bien, mais si on fait cette strat là, l'early on gagne quoi qu'il arrive en gros. Enfin, quoi qu'il arrive. Pas vraiment, mais. En tout cas, on mène l'early. Oui. Donc, est-ce qu'on a besoin de picks vraiment très très forts ou est-ce que justement on prend des picks plutôt qui vont avoir tendance à scale et qui sont forts auquel cas en plutôt mid game? Je pense je que. Je pose des questions, j'en sais rien. Ça, ça dérange pas tant que ça en fait. Genre le. Faut un truc mobile au mid. Pour moi, Z, pour moi, c'est bien mid. Oui, voilà, Z, tu prends Z, le blanc, Harry. Après, Melon, il joue tout le temps des trucs mobiles. Ouais, mais genre Victor, ça rentre pas dedans. Ouais, c'est vrai. Oui, y a, si, y'a de l'eau. Y'a de l'eau, mais bah, au fond, au robinet. Oui, là, bref, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'on ban? Dites-moi. Salut. Qu'est-ce qui est trop fort dans ta ban? Qu'est-ce qui est trop fort dans cette compo? Enfin, contre cette compo. Peut-être strat, je dois rien. Attends, je réfléchis. Est-ce que Morgana, c'est fort? Est-ce que Azir c'est fort? Un truc qui est impossible à dive. Est-ce que Sion c'est fort? Lulu c'est chiant pour Sion dives. C'est nerf. Lulu non. Non, Lulu ça se dive facile. Bah oh. Lulu quand même c'est non, chiant. Non mais avant le d'accord. Faut ouais un truc de toute façon. Bah ok c'est chiant. Bah ok je sais ce que je pensais. Gragas. Mais Gragas on a le pick. On a le first pick. Bah c'est génie. C'est génie. Il faut un des non, deux en fait. C'est génie on peut tellement la bolosser en jungle. Moi je bannerais Maokai en fait. Maokai. C'est chiant. Pourquoi la bolosse elle appuie sur E elle est plus là. Maokai allo. Bah ouais sur A plutôt. Maokai tout le monde. Oui. Allez. Allez là il faudrait qu'il batte ses joueurs au Gragas. Et alors on a gagné un select. Ah. Vas-y go Gragas. Mais moi du coup je sais toujours pas ce que je dois piquer en fait. C'est toi qui paye. Je pique un pic quoi en fait. Tu dois piquer un tank, un perso. Allez rapproche le micro de ta bouche là. Un tank hein je pense. Rapproche ton micro de ta bouche. Lève-le un peu. Ouais. Faut pas toucher ça. C'est un blaireau. C'est bon. Parfait. Super travail. Et du coup, je fais quoi? Bah, je sais pas moi. Je pense à un tank, c'est bien. Malphite, ça m'a pas l'air fou, honnêtement. Non, pas Malphite, pas Malphite. Nar peut être sympa, peut-être. Je sais pas. Bon, pas trop. Je pense que Jax ou Olaf, c'est bien aussi. Hein. Est-ce que Nidalee, c'est pas chiant? Et Renekton, serait pas bien? Parce que concrètement, Nidalee, level 2, elle me tue. C'est Rek'Sai finalement, c'est Rek'Sai. Mais non, Rek'Sai, ça va. C'est vrai que Nidalee c'est chiant. Putain. Parce que Nidalee, si on fait le truc, level 2, elle me tue. Hein. Genre vraiment. Enfin. En gros, elle met pas bien quoi. Donc, Oui, mais le truc c'est que. Si elle a gros le camp de jungle, elle va prendre cher, tu vois. Mais oui, mais non. Du coup, on pique quoi la défense hein. Non, mais level 1, oui. Level 2, non. Parce qu'en gros, je la fight pas le. Enfin, je la fight pas non, vraiment si level toi, 1. Mais si toi t'es 1 et elle est 2 et qu'elle est en train de s'aggro avec le creep, tu la démontes. Ah, si, je te jure, elle a plus de CD. Ça sera pas level 2 en fait. Bref, c'est pas grave. Du coup, on pique quoi? Moi, je veux bien Thresh. Thresh, mais alors. Thresh ou Nautilus. Et. Mais on va je préfère lequel maintenant, si on peut piquer la botlane. Bah, moi ça me dérange pas de pique en gros. C'est bah, juste... pique ce que tu veux en fait en ADC. Ce genre Sivir, c'est bien, ouais, je pense. Et moi je te pique Thresh, c'est ça? Ouais. Donne Nautilus plutôt? Ouais, Nautilus. Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai. Ok. Après, Nautilus, il y a Morgana. Ouais, j'ai Warden. T'inquiète. C'est juste pour ça que j'ai piqué Sivir. Nice. Genre après, oui, je m'en fous. Moi, c'est juste pour la beauté du geste. Alors là, on a déjà une grosse frontline. Est-ce qu'on peut pas jouer genre un Fizz en top? Un Fizz? Je sais pas, je propose des trucs. Non. Je propose des picks. En gros, y'a pas grand chose. Là, genre Olaf, c'est bien. Olaf, c'est bien. Olaf qu'on devait une Morgana, c'est cool. Ouais. Non. Si, c'est bien. Okay. Non, je suis en train de penser à la stratégie qu'on va faire. En fait, je pense que piquer un top qui a pas de CC, c'est pas bien. C'est pour ça que je pensais à Fizz. D'accord. Et là, on a déjà beaucoup de CC plus du hard engage. Ouais, là, pour moi, il nous faut juste du dégât en fait. Parce que j'ai peur qu'on manque de dégâts. Pour l'instant, on n'a pas une compo folle. Tu vas piquer quoi, Melon? Oh, j'adore jouer Olaf contre Humble. Là, par contre. Oh, oui, là, par contre, c'est beaucoup mieux. Là, c'est free dive. Hein.
Ok, je pars sur Z double blanc. Mais tu sais que tu vas pas être en avion. Tu as signé que je sais pas jouer aux choses. Hein, tu sais que tu vas pas être en avion. Je m'en fous, c'est bien en soi possible. Double blanc, on fait un personnage mobile. Un mobile avant le 6 si possible. Ou Harry. Harry, ça va, je crois. Oui, Harry, ça va. Z le blanc, Harry, ça va. Tout truc genre Kassa, c'est chaud, je pense. Oui. Même si j'aime le perso. Syndra, c'est pas bien. Syndra, ça va pas. Non, Syndra, c'est pas bien. On sait pas que c'est. Non, non. On sait pas que Syndra, c'est bien. On part sur le blanc, vous testez votre truc bizarre. Tu veux quoi, t'as mis je dois en V5, c'est même Renek, je pense, Renek. Bah, j'hésite avec Renek aussi. On sait vraiment connecter, c'est pas. Oui. Oui. Ok. Dis-moi. Bah, c'est fort en early, Renek. Est-ce qu'on a besoin d'être si fort que ça en early en fait? Choisis. Dis-moi le dé. Pique Renek. J'ai peur qu'avec la méta qu'on va faire, si je prends un perso, tu vois. Genre, sensible avant le niveau 6, sans flash, je vois puni 3 hardcore. D'accord. Alors, tu peux faire un camp niveau 1 solo avec Renek. Tu peux faire les loups. Ouais, je peux. Tu peux largement faire les loups. Ok, ça va alors. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Ouais. Je suis pas fan de Renek, moi perso. Enfin, je trouve le perso bien. Mais je pense pas qu'avec ce qu'on fait, on a besoin d'être si fort en early, tu vois. En gros, je sais pas, en fait. Enfin, parce qu'en gros, Renekton c'est très fort. Jusqu'au mid game, en gros, tu vois. Après, ça devient un tank. Voilà, pour le coup, tu vois, c'est plus... il aura toujours des trucs sur quoi taper, hein. Enfin, je pense. Ok, moi je fais confiance. En vrai, je fais confiance. On va voir. Par contre, Azir, ça me fait peur. Parce que je trouve fort. Ouais, c'est relou. Ouais, c'est grave. C'est génial, Azir. Le swap. Bon, ils ont quand même beaucoup c'est de dégâts magiques par contre en teamfight, donc prenez de la RM. Ouais. Ok, bon, du coup, Chap, tu lead. Ouais. On t'écoute. On s'écoute tous, d'accord. Parce que moi je viens de revenir, je veux que ça se passe bien. On peut pas et s'insulter et qu'on... On... Si on peut. Si on peut, ah ouais, ok. On peut très bien. Ta mère rigole. Mais du coup, voilà. Non, t'as raison. Juste que ça se passe bien. Ah, faut que je fasse ma pub. Et que la communication soit optimale. Si ma mère regarde le stream, genre elle va tellement te défoncer. Salut, maman Briggles. Ah oui, mince. Salut, madame. Madame Briggles. Madame Briggles. Madame Briggly. Oh, MDR, regardez. Oh, c'est chouette. Il y a une toile d'araignée. Tu sais qu'elle était sur ma. Elle était ici il y a deux jours. Ah, c'est vrai. Et j'avais, je l'avais revirée. Ah, bah, c'est Xaxus. Il est chaud, lui, non? Ah, oui, ils sont chauds. Ouais, ils sont tous non, sérieux? Je sais pas, je connais, je connais Xaxus et je suis casse. Et Maxour. Ah, oui, d'accord. Oui, ils sont chauds. Bon. Bon, il y a de l'exhaust en face, faites gaffe. Le compo tient la route. Oui. Maintenant, faut que la strat tienne aussi. Voilà, je sais pas quoi mettre, je mets ça. Et voilà. On va faire un grand niveau. Voilà, voilà. Un niveau ward et tout, le level on fait quoi. Plein de on cover normal normalement. On ward leur raid, je vais ward leur raid et vous juste vous cover. Ok. Et puis c'est au dernier moment qu'on se casse, sinon ils vont, voilà. Ils vont nous craquer. Limite, Briggles, tu vas directement top, genre sous la tour, t'es, pour pas qu'ils te spot. Tu vois ce que je veux dire? Mais le mieux, moi je trouve que c'est de me montrer bot, tu vois. Genre je monte comme si j'allais faire le gromp. Attends, on est de quel côté? On est bleu. Comme si j'allais faire les golems, je me montre. Et puis dès qu'ils m'ont vu, je back, tu vois. Genre pour être. Pour vraiment pas faire spot le spot plane. Et puis j'irai faire Freeza lane. DFG? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il raconte? Il l'avait caché. Oh, le coquin. Le petit salaud. Oh, le petit coquin. N'hésitez pas du coup à rejoindre Super Doulou sur ses réseaux sociaux pour la meilleure solo queue française. Quoi, ça ne lance pas? J'aime pas si je jungle pas avec toi du coup, Chap? Si. Ok. Ils viennent de défoncer Millennium. Ah bon? Bon. Ah, mais ils sont forts, genre. Bon. Oui, c'est pas marrant ça. Ça fait un quart d'heure qu'on joue. Bah, c'est. Oh, le son est beaucoup trop fort. C'est vrai? Ouais, hey, c'est après un patch, ça se met à fond. Casse-toi. Hey, ça. Bah, je suis en full screen, mec. Bah, oui, t'es en full screen. Allez, go! Go, ça joue! Bon, go faire votre strat là. Pas cher, Rino. Go faire votre strat. Ouais. J'ai pas de. Oh, c'est mes touches en plus, c'est magnifique. Tu sais ce que tu fais, Aldé? Je t'ai expliqué. Oh, dis-moi. Tu fais les loups niveau 1. Je fais le grand niveau 1, on se regroupe, on va allez, à son raid. On fait sa jungle, pour l'instant tu freeze top. Et on te dit qu'en défreeze et on prend la tour et on fait le dive. Ah ça y est, y'a mes lettres qui s'affichent maintenant. J'aurais moins de questions. Moi je t'ai pas. Quoi? Tu restes avec moi, tu t'épais pas. Les sensibilités. Et je fais les loups tout seul. Genre. Tu fais les loups tout seul, ouais. Ils sont trop vénères. Oula, y'a du monde, y'a du monde. Tu veux que je fasse quoi du coup? Je vois ils m'ont vu donc maintenant j'arrive top. Voilà. Comme ça ils vont vraiment croire qu'on est. Y'a DFG, mais ton monde pas trop. Ouais, faut sûrement venir bot quand même. 30 secondes avant l'apparition de patience, invocateur. Ok les potes. Tu vas le faire chier à son raid hein. À son, enfin c'est golem du coup. Moi je vais faire chier à ses golems. Ouais. C'est loin. Oui.
Mais t'es sûr qu'il start au golem? Je vais ward. Et après avoir fait les loups, je fais quoi? Tu viens avec moi, on va directement à son raid, je fais pas le bleu. Je serai low moi. C'est pas grave. Touche espace, marche 0. Tu veux que je prenne quoi? De quoi? Comme deuxième. Fais gaffe, c'est pas trop. Quand même, que tu sais je pense. Non, mais je sais pas où c'est bardé en fait, je sais que c'est bardé là. Passe par en haut, va falloir que tu te dépêches là par contre. Tu vas être là peu late. Bah, je cours hein. Avec mon héros obèse. Là, c'est là, il y avait une ward. Ah, bah, mais bon, ça. C'est un peu tard pour me le dire. Parce qu'en gros, ils ont wardé les trucs donc bon, ils savent. Ils savent où je me situe. Y'a personne sur les golems, je fais quoi? Ok. Tu vas en ligne. Okay. Ça veut dire qu'il start bot lane. Ça t'arrange? Oui. Tu veux une ward quelque part? Non, c'est bon. Ok. Je fais confiance. Pas trop vite, hein. Faut pas que ça push. Je vous fais confiance. Allez, je te laisse faire. Tu mets un dé? Ouais, j'ai 200 HP quoi. Est-ce que c'était pas un peu compliqué ce call loup avec Renek? Mais j'arrive. Non mais ça j'aurais été low HP avec tout le perso. Bien, faut qu'on se partage l'XP. Ok. Les botlane sont deux du coup. Tout est normal jusqu'ici. C'est normal ça? Ouais, il start ici du coup. Il a start au race? Ouais. Est-ce que c'est pas Rumble qui a fait le race? Je pense pas. On push top. Ok. On push top? Ouais. On se monte là du coup? Oui. Il y a une flash au combattant? Ouais, ça serait bien de la prendre. Tu vois, genre là, le Lucien il est level 3 en fait. Je suis presque, ouais, rien fait. Ouais. Après, on fait quoi? Après, on va on fait quoi? Après, vous retournez bot. On prend une phase de lane normale. Ah, mais il est prêt à la tour aussi. Non, mais il va freeze au top. Et il va me poutrer. Non, faut repush la wave. On push celle-là alors? Ouais. Ok. Et là, on fait quoi? Là, on back. On va bot. Il pourra pas de freeze normalement. Ok, donc là on prend des phases de lane normal. Voilà. D'accord. Et on a de l'avance en XP, c'est ça? Ouais. Ok, c'est pas... Ah non, non, c'est bon, ça va pêche pour toi. C'est pas mal. Il y a un canon top, ça va pêche pour toi. Nice. Non, en gros on a avantage d'XP donc je trouve ça ok. Enfin, tu vas pouvoir freeze en plus top. Ouais, c'est vraiment bien. Ça, ok. Bah toi aussi on va pouvoir freeze normalement. Après le truc c'est que j'ai peur que quand on fait ça, parce que là en fait ils doivent faire le Drake tu vois. Ok. Bah ils ont préféré faire la tour que le Drake tu vois. Non mais ils ont fait les deux je pense. Tu crois? Sincèrement ouais. Là on freeze, hein. Je pense que tu peux roam. Ouais tu peux freeze. Ouais si tu veux. Ok, de toute façon tu les vois. Le truc c'est qu'en fait moi j'ai juste peur avec cette strat là d'être out level en fait. Ouais. Parce que si je me fais out level, le jeu n'est plus très drôle. Ok, Morgana est de retour. Tu veux jouer avec toi? Faudrait juste pas qu'elle défrise la lettre. Donc, tu vois avec sa mid hein. Yes. Parce que là il pète ma ward, ça m'embête un peu. Je peux venir tape là? Ouais ok. C'est pas trop ouf Lucien. Après il aura ma script. Moi j'ai pas encore ma stega. Ok. Mais bon t'as 3. On peut le goal là je pense. Ouais. Ouais c'est pas le jeu. Il y a normalement ils vont faire le Drake. Ouais ils ont fait le Drake. Ouais ils l'ont fait. Je prends ta top jungle. Ok. Bon, c'est pas très gênant. Mid alpha. Oh non. Non. Putain sérieux. J'arrive. Non mais d'accord.
Eldrick forcément. Vous n'avez pas resté à se gratter les boules. Je peux venir, Chap ? Non, je suis très très low là. Je suis mort. Ah, ok. Plus d'exo sur Organa. Je sais que tout seul on peut faire grand chose. Ok. Bon. Prendre la vision maintenant. Ouais, faut que je batte prendre la sextape du coup. Bah, fais gaffe si jamais on se fait descendre. Ouais, bah, je me casse là. Ok, il peut pas freeze, c'est cool. Par contre, là, faut bien voir ce qu'on fait juste maintenant en fait. On a le timer break, on a tout ça, mais. Est-ce que sur juste des lanes standards on gagne ? Niveau CS, on est devant. Moi j'ai 10 d'avance. Bon. Aldé est bien. Joueur de la top jungle, moi. Donc là, moi je vais battre. En gros, tu exposes une ward là, c'est ça ? C'est ward ici. Ouais, ici, et... ici. Et moi je m'occupe de la top jungle. D'accord, ok. J'ai mon flash donc je peux essayer sur. Vous hésitez, non. En gros, si je me fais. Ah, fais gaffe. Ouais, c'est sur moi. Top. Je suis safe, je pense. Tu t'en sors ? Oui. Ok, non, ma flash. Ok, il n'y a plus de flash Azir, plus de flash Morgana. T'as aimé si vous pouvez. Écrit les, ouais. J'ai pas en tête. 12 quelque chose. Genre 12-45 Azir et t'arrives à 30 secondes pour l'autre. On peut la faire, non ? Non. On a trop de vision gratuite en fait. On met des big wards, mais on les défend pas. Top, fais gaffe, il y a peut-être Morgana qui va monter. Il y a son bleu et son red. Tu vas y faire un. Ah, elle est là, Morgana. Tu peux dégaler ? Elle a pas de flash, elle a pas de flash. Melon. Il y a Azir aussi. On peut le faire plus. Melon a pas du tout. Oh. Ok. Ils sont 4. Ouais, et là je suis au level donc c'est chaud pour moi quoi. Si la marque passe peut-être. Tu peux venir, tu peux venir. Ah, oui, oui. Continue. Nice. Lui il a pas de flash aussi. Ok, ouais. Rek'Sai est derrière. Je suis derrière mais là j'ai rien. Backé, backé, il suffisait de marquer la base. Il y a le Saint qui va arriver. Ah putain, d'accord. Bon, je crois que j'ai débrayé. Gaffe, il y a encore Rek'Sai là. Il n'a pas d'HP. Hein. Prendre de l'XP binois. Putain, il lâche pas, il me lâche pas. Top, fais gaffe aussi. Ça y a plus de flash non plus. Top hein, Rek'Sai, fais attention. Ils sont deux. Je vais à son bleu là. Ok, nice. Vas-y, t'as la vision dessus de toute façon. Ok, Morgana est bot. Y'a une pink là. En l'état, c'est compliqué. What the fuck. Bon, a priori, ils ont pas dû dans la jungle là, dans la rivière. Il y a notre bloc up. Il y a une pink là. Tu peux push la mid ? Ouais, go go go. Ouais, sur le Azir là. Goldeneye, non ? Derrière, Morg. Oh, c'est chaud. Rumble bon, bah, paquet, paquet, paquet. Ouais, là, y'a Rek'Sai. Ah, y'a tout le monde, oh là là. Ouais, bah, non. On a juste dû le laisser. Je pense pas qu'il y avait tout le monde. On l'a vu la morgue ? Oui, la morgue, on l'a vu. On l'a vu où ? Enfin, ouais, genre, je l'ai call quand elle était là quoi. Ah, on l'avait pas vu. Il y a le bleu. J'arrive. Ils sont chez nous. Ouais, j'arrive là. On fait un truc ? Et là, on se rend super rocket numérique. Go go go. Pire ton mine. Je prie cher.
Ils sont encore là. Ok, il y a ulti Morgana pour mon ulti. Ouais. T'as du flash shot? Non, non, non. Juste, j'ai pas dit que c'est parfait. C'était ce dont j'avais peur. Mais ça n'arrive mid. On va voir, on va te voir. Je push encore une wave et je peux venir. J'arrive. Il y a besoin de moi ou pas? Non. On dirait pas. Non, je pense que la tour tient, mais. C'est le Drake là surtout. Drake est gone quoi. Ouais. Elle est longue. Ok, elle en fait quoi? Bah, il faut farmer quoi. Au final t'es level 6 mais c'est comme la Morgana. Non là ça va, j'ai pu rattraper un peu mais... Plus d'ulti sur Azir. Bah tu casses ça? Ouais. Y'a rien? Non. Peu beau sur elle. Non y'a du monde. Y'a une Yvée noire. Il y a une ping dans le gauche là. Ça bouge pas, fais gaffe, fais gaffe. Ouais, j'ai vu. Normalement, je serais safe. Ah non, c'est pas safe. Je vais essayer de venir avec toi. Bon, j'en avais 7 T4, je pense. Je le stoppe. Parfait. Je meurs pas à ça. Ouais. Bon, moi je crève en boucle. Hein. Donc, clairement, là. Rêve. Chaque fois ils sont plus, c'est compliqué. Tu peux les catch au mid peut-être? Faut essayer. Moi ouais, j'ai pas de trop mal. Lol. Je suis là. Ouais. D'accord. Bon. Il joue bien. Ouais. Ouais, je sais pas. On peut bâcher le mid là. Je vais essayer, ouais. Tout ce qu'Azir va revenir, il va dépêcher. On peut try. Lui on tue, on tue, on tue. Ah putain, dommage. Oh c'est sérieux mec, j'ai flash. On le tue. Je sais pas pourquoi on fait live ça, tu sais. Ouais non, juste c'est... Bon, c'est marrant. Oui. Maintenant ils sont derrière. En fait genre la strat marche mais... Juste on s'est fait outplay à chaque fois. Oui. C'était plus que nous et... Ils ont baisé comme ça. Bah ils sont meilleurs de toute façon. Mmh. Ouais mais genre c'est nul, on a pas pu jouer. Pourquoi ils jouent avec eux, Xazus, je crois pas. Il est au LCS là. Non, il plus. Ça fait longtemps qu'il y a plus. Ah, je suis perdu moi, je crois qu'il était dans... Ah, il était au 4. Dans une sous-équipe LCS, mais je crois qu'il était au LCS. Non mais il était. Oui. Bon, il était pas dans une sous-équipe. Mais je crois qu'en ce moment il y était encore. Il était chez Rocha. Je crois. Ouais. Rocha est Xazus. C'était qui leur... Leur top d'ailleurs. Non, leur mid, non. Overpo. C'était Overpo à l'époque. Ah, hein. Du coup, Overpo joue top. C'est exactement ça. Mmh. J'ai l'arbre. Top, je suppose que c'est Ward. Hein. Mmh.
Patience, invocateur. Peut-être faire un truc bot. Ouais. J'ai mis à Lucien top. Je viens de défaire. Il est tout seul. Lucien est top. Genre. Ouais, j'arrive. Tu penses qu'Adam peut être Non. Non, il a eu l'âme d'Avaris, red buff niveau 11, non, on peut pas. Je suis désolé. Ah putain, il avait fait un autre tunnel. Après, on pourra peut-être. Des push quoi. Ouais. Ah ouais. Non, mais juste à chaque fois, il bouge plus que nous tout le temps. Genre, c'est pas dégueu. Est-ce que je vais réussir à l'exploit de m'enfuir? C'est pas dégueu. Est-ce qu'il y a un red buff pour faire un double dash? Non. Est-ce qu'il y a des specs pour faire... Oui. Non, non, rien que ça, il ça c'est pas un spec ça. Tu peux essayer le double dash hein. Là, j'arrive. Après, moi je m'éclate, c'est que je suis mort tout le temps. Dès qu'il y a eu un call, je suis mort. C'était vraiment un plaisir. Il meurt, il meurt. Attends, on peut l'avoir lui. Y'a plus rien en dessous. Ouais, je pense pas. Oh, il est chiant lui aussi. Putain, c'est tellement OP à dire. Eh oui. Là, il est archi fait là. C'est maintenant. Un sacré champion. Je hais ce champion vraiment. Non, bah c'était du snowball hein. En gros, ouais, on a fait des calls, je crois on est mort. Non, mais là il est. Mais notre jeu, à chaque fois on m'a dit bah là, je suis allé mort. Mais après, ils sont extrêmement forts en face. Oh, non, on va faire encore. Arrêtez, pourquoi vous faites ça? Bon, après, bon, au moins, on va essayer. Les mecs en face, c'est. Oui, mais en face, objectif LCS quoi. Leur but, c'est de monter dans les top 8 et faire les qualifs quoi. Ouais. Oui, Zazus, clairement, c'est son objectif. Ils sont bons. Après. Après, commencer une strat contre eux, c'est un peu chiant. Oui, voilà. Mais c'est pas grave, au moins, on essaye. Mais après, on s'entraîne. Nous, on n'a pas d'objectif, on veut pas être top 8 machin. Oui. Juste, on veut jouer. Oui, mais on joue pas, on s'amuse pas là contre eux. Bah. Oh, donc clairement, vrai. Je reviens sur ma lane, je me prends une cage de morgue, un flash de Rek'Sai, je suis mort, c'est pas marrant. C'est exactement ce qui se passe. C'est pas trop rigolo. Il en le tente lui, c'est un bâtard de toute façon. Il a plus de dash. Ah, casto, c'est déjà ça. C'est vrai. Ouais, c'est bien mieux ce que tu dis. Tu vas bait avec ton auto-attaque. Ouais, je fais une feinte. Ouais. C'est cool. Ah, ils ont fait le dragon. Au moins, tu me feintes moi. Dragon est mort. Bon, alors refait la game d'après de toute façon, on retente. Ouais, clairement. Mais ça avait pas l'air mauvais. Ouais. Enfin, de base, oh, non. Non, en fait, ça peut marcher, juste. Faut qu'on prenne plus la vision en fait. Dans faut se mettre d'accord de ce qu'on fait en fait. Parce que, genre, vas-y, le début passe, mais la suite ne passe pas. C'est rien. Oh, c'est pas passé loin. Ah, elle. Et il vaut cher, hein. Pas de joke. Il y a le laser qui pack pas long, je vais aller le pêcher. Il est là. Il y aura un rumble au-dessus. J'ai pas d'ulti par contre. Je suis derrière Briggles. Ok. On a moyen de se retourner? Ouais. Putain, merde. Il est parti en doublé là. Ah, tu viens, Malon? Ouais, j'arrive. Je suis là, je suis à côté. Oh, cassez-vous. Enfin, venez vers moi quoi. Il m'a mis le feu. Oh, il m'a mis le feu. Oh non, il nous a brûlé. Mais il est mort. Ah, il a déjà un statique quoi, c'est moi j'ai fait la lame d'Adaris. Tu vois pas qu'il a l'ulti. Bon bah, est-ce qu'on... On run FF, petit break, on en refait une je pense. Go passer à une autre game. Enfin, en gros là, ça, on pourra pas capable de... Non oui. C'est impossible. Il tente. Non mais le truc marche, juste là, bon pour le coup c'était plus fort que nous je pense même. Oh, évidemment, tu vois. Genre ils nous ont replay sale. Et... Non en vrai, y'a un truc à faire. Ouais, ils étaient juste un peu... Faut vraiment qu'on se mette d'accord sur... On fait le truc, voilà, en fait ils ont fait la même chose. Et après on fait quoi en fait? Tu vois, c'est ça le truc. C'est le... Et après on fait quoi? Pourquoi on voit pas mon jeu? Et je pense que pour le coup, le pickrunneck c'est bien. Attendez. Mais genre ça scale pas, tu vois. Et je pense que voilà. Quand il y a ça, en fait, vu qu'on évite les phases de lane, on a pas besoin d'un truc fort en lane. Ouais. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Mais bon, des questions qu'on se posera pendant la pause, ne bougez pas les amis. Du coup, on se retrouve juste après la courte page de pub. On va tag pendant la pause pour ne pas justement mettre 3 ans trop de game avec vous. Donc ne bougez pas d'un pouce. On revient tout de suite avec justement des petites strats qu'on va essayer de travailler un petit peu et des bisous simplement. A tout de suite. A tout. Bisous. À toutes. Ciao.